Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et salut Thierry et puis salut Guy. Guy et Francky, salut. Donc tu attendais avec impatience qu'on revienne à l'antenne avec Sugarcane Blues. On reviendra aussi le samedi, évidemment, comme d'habitude, avec, avec des invités. Mais là, aujourd'hui, on a invité un invité très spécial, Guy. Alors, c'est vrai qu'on est à la radio, mais moi, je t'ai vu, je me rappelle, sur Télé Créole, et je trouvais que ton discours était particulièrement intéressant. Et on a appris, on s'est rencontrés après dans un salon du livre. Tu écris beaucoup. Moi, j'ai écrit un petit recueil de poèmes, c'était mon deuxième. Toi, tu as écrit 15 livres. Et tu m'as donné aussi ton album, qu'on va d'ailleurs écouter quelques morceaux. Donc tu as derrière toi, je veux dire, un certain travail. Et évidemment, voilà, bon, moi j'étais très intéressé. Nous avons une émission très spéciale. Mais comment est-ce que tu pourrais en fait te présenter un petit peu, Guy, parce que certains te connaissent quand même sur Télé Créole, mais pas que. En fait... Tout ce que tu viens de dire, c'est ma vie. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai fabriqué, c'est juste ma vie. Ma vie, c'est ça. Je suis les bouquins, je suis la chanson, je suis tout ça. Et je le vis. Tu vois, c'est pas pour parader. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que en fait, tu veux dire que certains paradent. quand on devient célèbre, après on doit parader parce que en fait. Non, mais c'est, pour l'instant, c'est pas notre cas. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde qui a beaucoup de ça quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Soyons clairs entre nous qu'on a essayé de mettre les choses à plat. Très sincèrement, terriblement sincèrement. On va pas se raconter l'histoire. On va essayer de passer. Du moins, je. Toi, moi, évidemment, je m'en raconte encore un petit peu. Non, je plaisante. Oui, si tu veux, ce qui m'intéresse quand tu dis ça, c'est j'écris un petit peu et je me rappelle que j'ai essayé d'écrire un poème dernièrement qui commençait par une phrase qui me parlait. Et ça commençait par « Je n'ai pas fait semblant ». Dans ma vie, je n'ai pas fait semblant. Et je ne suis pas arrivé au bout de ce poème et je n'étais pas content. Et tu m'as laissé penser que peut-être c'est parce qu'on fait semblant. C'est le problème, c'est ça. C'est que c'est difficile dans ce monde, après que tout le monde te demande d'être ce que tu dois être, de ne pas faire plaisir à ces gens qui te demandent d'être comme ils aiment. Oui. Tu comprends? Bon, tout le monde attend que tu fasses, tu montres ce qu'ils veulent. Donc, on passe notre temps à faire plaisir aux autres. Okay? Ça veut dire qu'on est souvent en train de faire semblant. De jouer. On joue un rôle, on se montre, on se donne une allure. Et tu me disais même pire, parce que c'est très dur ce que tu dis, même quand on est sincère, on croit être sincère, mais... on ne l'est pas vraiment. Non mais c'est très dur. Parce que tu peux croire, parce qu'une croyance, ce n'est pas une réalité. Oui. D'accord, donc quand on croit être sincère, ça veut dire qu'il y a seulement quelque chose que tu crois. Mais la sincérité, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui se vit, et quand on le vit, on n'a même plus besoin de le dire, parce que ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. Alors, tu as écrit beaucoup de bouquins, et on va écouter quand même ce que tu chantes, parce que c'est quand même surprenant. Hein, moi, je t'ai écouté ce matin pour préparer un peu l'émission, mais je vois, tu as amené quelques bouquins. Si on prend par exemple un des bouquins que tu as écrit qui s'intitule, dont le titre est La voix de l'éveil. Ouais, c'est mon dernier. Hein. Ça c'est le dernier, voilà. Ouais. Mais ce que je suis tué, c'est très, aussi très intéressant comme. Oui, comme c'est assez récent. Entre celui-là et La voix de l'éveil, il y a trois. D'accord. Oulala. Tu écris un bouquin tous les ans, au minimum. À peu près, oui. Et là, depuis le dernier, là, je me suis calmé. Tu sais, depuis la quand il y a eu le confinement, ouais. Au lieu d'écrire, parce que la chose logique, c'est d'écrire, quoi, bah, oui. Pendant que bah, oui. Tu ne sors pas, tu ne fais rien et tout ça. Mais moi, j'ai arrêté d'écrire à ce moment-là, justement. tu as peut-être réfléchi ou tu as non, pensé mais non je me suis dit, mais pourquoi écrire alors que je peux le dire? Ah oui, bien alors, sûr. Alors, je me suis pris la caméra et j'ai filmé.
Et j'ai parlé devant ma caméra, comme, mais au lieu de dire... Ah oui, une sorte de chaîne YouTube où tu... D'accord, ok. Tu écris tout simplement, tu dis tout simplement ce que tu as envie d'écrire. Et ça, ça m'a permis de sortir un peu de cette trame de l'écriture. Oui, d'accord. Mais là, je repars. Parce que en fait c'est, quand tu écris, c'est différent. Ah oui. Tu prends plus le temps de poser tes mots, tu vois. Et ça peut t'emporter aussi autrement qu'à l'oral. Je veux dire, bien sûr. L'oral peut t'emporter quelque part de manière surprenante, oui. Mais l'écrit aussi. Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose que tu vas chercher au plus profond de toi. Exactement, au plus profond. Et on a l'impression que parfois, alors là on atteint la sincérité, puisque quelque part c'est pas exactement nous qui parlons, comme si il y avait une sorte de lien. Ouais, tu as raison de dire ça, parce qu'en fait quand tu es calme et que tu vas puiser au fond de toi, c'est-à-dire dans ton fort intérieur, mm-hmm. Et bien dans ce fort intérieur, s'il n'y a pas le silence, il n'y a rien qui sort. Il n'y a que ta tête qui cause. Ça me fait penser, un jour, j'étais allé voir un moine à Paris, je crois à l'église Saint-Gervais, et on parle, et puis à un moment donné, il avait un accent de l'Est, de l'Europe, oui. Il me dit, dans ce monde, il y a trop de bruit, on n'entend plus. Et je me suis dit, je crois que j'ai entendu ce que je voulais entendre. Ouais. Et il a tout dit. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de bruit. C'est ça. Mais le monde de bruit, tu penses que c'est à l'extérieur de ta peau, mais elle est dans ta tête. Et elle est aussi en nous. Ce bruit-là enfin, est en aussi, nous. Il est en nous. Il est là, c'est l'origine du bruit qui existe dans le monde, c'est dans nous. Mm-hmm. Tu vois, parce que nous projetons tout ça à l'extérieur de notre peau et ça fabrique le monde. Le monde, c'est ce que nous pensons, en fait. Que nous construisons. Nous construisons le monde comme ça, tu vois. Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Je voulais t'embarquer vers ton titre du dernier bouquin, La Voix de l'Éveil, qui me fait penser à Bouddha, l'illuminé, l'éveillé. Je pense à Bouddha, évidemment, mais tu as sous-titré, si on peut le dire comme ça, Au-delà du bien et du mal aussi. C'est ça. Alors, c'est deux... Parce que La Voix de l'Éveil... Deux images... Voilà, La Voix de l'Éveil... C'est quelque chose qui peut arriver à quelqu'un quand il a compris qu'il faut cesser de se battre. Tu vois ? Quand tu cesses de traficoter dans ta tête un objectif, un but à atteindre pour l'illumination, le nirvana, parce qu'on oui. on cherche. Mais quand tu cesses de chercher, ça veut dire que tu ne te bats plus pour faire exister ce que tu penses. Ah là 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 là. Parce que ce que tu penses, c'est le désir d'être, oui. D'être le nirvana. Oui. Mais ça, c'est un désir. Mm-hmm. Le désir, ce n'est pas une réalité. Mm-hmm. Donc tu vas poursuivre ton désir, et quand tu vas le toucher, tu vas dire, waouh, je veux plus. On est bien dans la vision bouddhiste qui est de se libérer de tout ça. C'est ça, libérer de tout ce que tu peux penser, de ce que tu projettes. Ouais. Tu sais, parce qu'on a l'image du paradis, du nirvana, mm-hmm. On a un objectif, on ouais, a, oui. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un concept en oui, fait, oui, oui, oui. Tu vois, mais le concept n'est pas la réalité. La réalité, elle existe seulement quand tu cesses de penser au concept. est-ce que tu te rappelles, une fois on avait discuté ensemble et je t'avais dit, quand tu me parles comme ça... Et tu parles de cette illusion qui est autour de nous, ça me fait penser évidemment au mythe de la caverne de Platon. C'est ça. Quand le philosophe dit aux gens qui regardent le fond de la caverne et ne voient que des ombres sur le fond de la caverne, il essaye de leur dire, mais retournez-vous et marchez, avancez, montez vers le soleil de la connaissance. C'est ça. On peut le dire comme ça. Hein. Oui. Et on a l'impression que ça, c'est la base même de la philosophie et même de la mystique des presque toutes les religions. Donc tout ce questionnement que tu viens de dire là, ça a été toujours posé dans toute l'histoire de la race humaine. Ouais, on a exactement. Voulu savoir ouais, qu'est-ce ouais. qu'il y a au-delà de la vie quotidienne. Et au-delà du réel. Au-delà de alors, tout ce qu'on vit, quoi, ouais. tu vois. Bon, alors, on va écouter quand même un morceau. Alors, c'est assez marrant, puisque je parlais du mythe de la caverne, et j'ai choisi, tu m'as dit, ok, pas de problème, tu m'as laissé faire. Le morceau s'intitule Soleil. Soleil.
qui pleurent. Ils ont les yeux égarés et ne voient pas le soleil. Un soleil qui réchauffe, qui dissipe le chagrin, qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur. Qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur. Peux-tu voir clair? Peux-tu comprendre la vie? Que ces barreaux, tu les as construits pour te rassurer. Oh, dis-moi pourquoi y a des gens qui ne veulent pas donner. Ils ont peur de manquer pour eux-mêmes et ne partagent pas. Un soleil qui réchauffe, qui dissipe le chagrin, qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur, qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur. Peux-tu voir clair? Peux-tu comprendre la vie? Que ces barreaux, tu les as construits pour te rassurer. Oh, dis-moi pourquoi y a des gens qui ont faim et qui meurent. Dénigrés d'un peu de dignité, ils tendent la main. Un soleil qui réchauffe, qui dissipe. Le chagrin qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur, qui raconte la liberté par les barreaux de ton cœur. Peux-tu voir clair? Peux-tu comprendre la vie? Que ces barreaux, tu les as construits pour te rassurer. D'un album que tu as sorti, Guy, en 2012. Le morceau s'appelle Soleil. Et on parlait de la créativité parce que tu disais que tu avais enregistré cet album à l'époque, donc à Maurice, voilà. Avec des musiciens mauriciens. Et on disait, évidemment, à Maurice, il y a beaucoup de créativité. Mmh. Parce qu'ils sont dans le pragmatisme et dans l'efficacité aussi. C'est ça. Et dans le talent, évidemment. Mais depuis très longtemps à Maurice, il y a des groupes de bal, comme il y en a eu à La Réunion. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui jouent dans les hôtels et qui sont devenus extrêmement créatifs et productifs. Nous, à La Réunion, on l'est aussi, mais en disant que bah, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans la culture à La Réunion, et donc ça a permis d'équilibrer un petit peu ce qu'on peut produire. Et tu disais, la créativité, c'est une sorte de libération. Bien sûr. Alors, c'est intéressant. Si tu es créatif, ça veut dire que tu as la capacité d'être libre de tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais n'est pas créatif. Oui, mais en même... Alors là, oui. Parce que tu le répéterais. Tu le répètes. Hein? Mais la créativité, c'est quelque chose qui vient subitement, comme une surprise. Une surprise, tu vois? Exactement. Et pour faire sortir ça, il faut que tu te libères de tout ce que tu connais. Oui, mais en même temps, dans la créativité, il y a... si tu veux, 1 et 1 font 3. C'est-à-dire que tu as aussi quelque chose que tu as entendu. Oui, bien sûr. Mais tu le laisses parce que ce que tu sais quand tu fais la créativité, quand il y a quelque chose créatif, ça veut dire que tu as laissé ton cœur parler. Oui. Tu vois ? Tu as laissé donc quelque ça, chose. C'est instantané, c'est spontané. Une spontanéité, exactement. Une sorte de liberté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après, la liberté, il faut approfondir. Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté ? Parce que la liberté, c'est pas ça encore. Mmh. La liberté, c'est de ne plus être ce que tu penses être. Là, il y a la liberté d'être.
la liberté d'esprit, mmh. la liberté de celui qui ne se croit pas être quelqu'un. Mmh. Parce que quand tu as une identité, alors tu es figé avec l'identité que tu as. Tu dis je suis un homme, je suis une femme, je suis riche, je suis pauvre. Tout ça, ce sont des identités qu'on se met dessus. Et alors, on n'est pas libre d'être vrai ce que tu es, puisque tu t'es identifié à quelque chose. Mmh. Donc, la vraie liberté, c'est d'être libéré de tout ce que tu peux penser. Oui, 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 d'accord. Mais tu faisais aussi le lien avec la liberté, c'est le contraire de la souffrance. Non, je dis mal, non, mais... Non, c'est pas ça. Excuse-moi. C'est que la liberté, si ce n'est pas la souffrance. La créativité, si ce n'est pas. Si quelqu'un souffre, ok, si un artiste souffre, il a tout, des problèmes d'argent, il a des problèmes de mariage, de cœur et tout oui. ça. Comment tu veux qu'il puisse être créatif? Parce qu'il est occupé. Tu sais, son esprit est occupé. Son esprit est occupé. Et pourtant, si tu veux, on le dit très souvent, que ce soit sur des artistes noirs américains dont on a beaucoup parlé, James Brown, Ray Charles et plein d'autres, qu'ils viennent de couches sociales très dures, ils ont vécu des choses très dures dans leur enfance, oui. et quelque part, ils subliment cette souffrance de l'enfance. Oui. Donc de quoi ils parlent? Ils parlent du blues, ils parlent de leurs problèmes, comme nous ici on parle de l'esclavage. Mm-hmm. Mais on va le répéter ça. Ça, c'est pas de la créativité pour moi. La créativité, c'est de pouvoir dire quelque chose d'autre. D'autre. Eh oui. Oui, qui va libérer la personne en face de oui, toi dans quand le elle va l'entendre. Ouais, ouais. Dis-moi, je suis pas esclave, je suis quelqu'un de merveilleux. Oui, 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 bien sûr. Mais bien nous, sûr. On ramasse tout le temps, tu vois, c'est oui, la même chose. Ne confonds pas ce qui se passe à La Réunion où il y a un peu ce ramassage dont tu parles. Et puis le blues et le jazz et toutes ces musiques et le funk, la soul, etc., qui sont des musiques, on voit bien que dans l'âme noire américaine, qui est venue parler au monde entier, ouais. il y avait l'église, il y avait le chant d'église, la soul music, le negro spiritual. Et donc, ils parlaient, alors, ils pouvaient parler de choses très dures, de leur quotidien, mais moi, sur lesquelles je voudrais revenir, c'est l'idée de souffrance. Je me rappelle toujours de ce film que j'aime beaucoup, Les Chemins de la Liberté, où c'est un jeune blanc qui a travaillé à la musique dans une école très connue, dont j'ai oublié le nom, alors on va dire Boston, et qui vient de la musique classique et qui finalement découvre le blues et veut absolument partir pour aller découvrir, on en avait parlé avec Franck, une chanson perdue de Robert Johnson, qui est le premier grand bluesman de l'histoire, qui a marqué l'histoire du blues américain et donc... l'histoire de la musique pop en général, et il rencontre en chemin un vieux bluesman qui joue l'harmonica, et ils font chemin ensemble, et il rencontre une fille, et la fille un jour part, et donc il se retrouve très triste un matin, le vieux bluesman vient le voir, et lui dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il lui dit « ben voilà, mon amoureuse est partie, elle m'a laissé tomber », et le vieux bluesman lui dit « ben mon fils, mon petit, tu vas pouvoir jouer du blues maintenant ». C'est ça. Donc il en est libéré. Oui, donc toi tu parles d'une libération. Oui, oui. Donc il va dire des choses qui sont du contexte de sa souffrance. Mm-hmm. Tu vois, il va savoir passer au-delà de au-delà. Sa souffrance. D'accord. Pour dire des choses qui sont communes à nous tous. À nous tous, tu vois. Parce que nous devons passer à travers tout ça pour comprendre qu'est-ce que c'est vivre aussi. Ouais. Parce que si tu vis tout le temps la souffrance, tu ne pourras pas vivre non plus. Tu vois, donc au bout d'un moment, il faut que cette souffrance s'en aille. Tu vois? Ah oui, même si on a mal parfois un peu partout. Mais bon, oui, j'écoute. Le deuxième qu'on a choisi, c'est l'aurore. Alors tu peux en dire un petit mot, si tu t'en rappelles, parce que c'est une vieille histoire. Je crois que tu dis, il n'y a ni commencement ni fin dans la vie. C'est bien ça? C'est ça. Peut-être on écoute et puis après on en parle. Voilà, ok, on écoute l'aurore et puis on dit un petit peu. Porte du présent où tout devient réel.
cette chanson. Il n'y a pas de commencement, ni de fin dans la vie. Les soucis, cette invention, l'homme te fait oublier ce que c'est. La liberté d'aimer la vie comme elle est douce et belle. Vis ta vie comme elle est, ne t'inquiète pas du tout. Non, de rien. Tu as tout pour être bien. Et un pied dans l'éternité, tu parlais de l'éternité. Oui. Mais si tu veux, même si tu comprends ça, moi je le comprends, oui. Comment le mettre en pratique, c'est ça qui est extrêmement difficile pour le commun des mortels, on va dire. Oui, 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 oui. De se dire comment est-ce que je vais mettre ça en pratique, parce qu'on le comprend, beaucoup de gens le comprennent. Oui, oui. Sauf que, tu vois, ce qui est dans le monde, le pied qui est dans le monde, appartient au monde. C'est-à-dire, ton pied sera identifié au monde. Mm-hmm. Moi, je dis, mets pas le pied dedans. Parce que tu vas te faire embarquer dedans. Eh oui. Donc, reste... Dans la tempête, c'est dans la tempête. Oui, c'est ça. Alors, ce que tu es, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais quand tu es présent, alors oui. C'est toi qui mets le là dans la relation. Tu mets l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer. Tu vois ? Mais tu n'as pas besoin d'être matériel pour faire ça. Mm-hmm. Tu as juste besoin d'être présent dans ce que tu as. C'est-à-dire mm-hmm. le véhicule que tu as. Mm-hmm. Tu es présent là. Mm-hmm. Et tu émanes ce que l'éternité propose. Oui. Et l'éternité propose la joie, la paix, parce que tu n'as plus de tracas là. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui s'inquiète. L'éternité n'a pas d'inquiétude. C'est le monde qui a l'inquiétude. Donc c'est ça qu'on dit sortir de ce monde-là. Parce que, en fait, si tu restes là-dedans, tu te baignes là-dedans, eh bien tu seras tout le temps dans la crainte, dans l'envie de faire en sorte que les choses arrivent, parce que tu t'es identifié à ça, donc tu as peur de finir, tu as peur de mourir, tu as peur de rater, tu as peur de ne pas être atteindre le but, oui d'accord, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, excuse-moi, j'étais en train de penser à plusieurs choses à la fois, donc c'est pas évident de te suivre, mais oui, non, c'est très intéressant, hein, surtout quand tu... Donc, encore une fois, tu parles de libération, de se libérer de ce poids-là. C'est ça. Tu vois, le poids qu'on a, c'est tout ce qu'on a hérité de la race humaine avant nous.
tu vois tes aïeux, ils t'ont dit comment tu dois être, et ils ont fait des conclusions, et ils nous les ont refaudées. Les conclusions, c'est, nous avons tous des conclusions. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Ce sont les conclusions de nos aïeux, ça. Parce qu'ils ont fait ça. Ils te demandent de faire pareil. Parce qu'ils ont peur que si tu ne fais pas ça, eh ben, que ça va s'arrêter. Tout ce qui a été construit, ben, ça va s'effondrer. Parce que c'est le fait que nous mettons de l'eau au moulin qui fait que le moulin continue de tourner. La société que nous avons, c'est un moulin, ok, que tout le monde... Auquel tout le monde a participé et vient mettre son petit grain d'eau ou de seau d'eau et tout d'un coup va faire tourner. Et en même temps, quand on fait ça, on ne sait pas qu'on accuse quelqu'un d'autre quand il y a de la souffrance. Parce que ça, c'est vecteur de souffrance. Ça veut dire ce que tu es. Quand tu fais ça, ben, tu répètes les guerres, tu répètes les disputes, tu répètes la monotonie et tu es toujours dans l'espoir, tu vois. Donc tout ça, c'est un amas de mémoire que tu trimbales avec toi et que tu veux répéter. Oui, mais dans l'histoire, il y a des hommes qui, en même temps, on peut applaudir, qui se battent pour la justice entre les hommes. Et se battre pour la justice, est-ce que c'est remettre de l'eau dans le moulin ou essayer justement de mettre un peu d'amour? Alors, se battre pour la justice, je crois que si tu te bats pour la justice, et il y aura toujours moins de justice. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se bat, mais se battre, ça veut dire être corrompu aussi, parce que je veux avoir justice. Donc tu cherches par tous les moyens. Pour moi ou pour des gens autour de moi. D'accord, mais pourquoi on veut ça? C'est parce qu'on a fait un monde qui est complètement perdu, qui est complètement chaotique, donc on veut changer ce monde-là. Mais tu n'as pas besoin de ça, de changer. Il suffit d'être toi, juste. Il suffit d'être toi, intègre, et de ne pas te mentir pour pouvoir vivre en sorte que tu n'as pas besoin de justice. La justice, c'est d'être vrai soi-même et d'arrêter d'emmerder le monde. C'est tout. Mais quand tu commences à embêter quelqu'un parce que tu veux lui demander de te donner du bonheur... Lui donner une leçon, on va dire. Tu vas lui demander de venir vers toi pour que toi, tu puisses être heureux. Donc la personne, il va chercher justice parce que moi, je ne veux pas être prisonnier de toi. Je serai ton esclave si je fais ça. Donc la plupart d'entre nous, on vit dans un monde d'esclavage où tout le monde essaye de s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit accepter ce monde et dire, bah, écoutez, moi, je vais me sauver moi-même et en espérant sauver les autres. Mais qu'est-ce que je dois faire? Laisser le monde... Si tu es témoin d'une injustice flagrante, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais si te parler... Par exemple, je passe sur le bord de la route, je vois quelqu'un en train de massacrer un enfant. Tu sais, la logique de toi, c'est quoi? D'intervenir. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut sortir de... Il faut être un légume non plus. OK? Je dis que c'est la réaction que nous avons, OK, va faire en sorte qu'on va donner de l'eau au moulin. On va mettre... Si tu crois que le monde doit être changé, et tu vas réagir à ça, parce qu'il y a des criminels, il y a des machins, des ceci, des ceci, tout ça qui se passe, ben tu vas te dire, mais alors, si je fais rien, ben, ça va être pire. Mais moi je dis, si tu fais rien justement, ça va peut-être s'arranger. Parce que c'est là où j'ai un doute, j'aime beaucoup ce que tu dis, mais là j'ai un petit doute parce que... Mais je préfère que ce soit toi qui... J'ai pas les arguments pour te... Par contre, dans le livre dont on parlait, La Voie de l'éveil, il y avait marqué « Au-delà du bien et du mal ». C'est-à-dire, pour faire disparaître... Il faut faire disparaître le bien et le mal. Excuse-moi, je le dis mal. En fait, c'est pas faire disparaître. C'est pas faire disparaître. C'est juste, tout ça est là. Ce que tu es, c'est un paquet d'égoïsme. Et c'est aussi de la bonté. Okay, ouais, tu as les deux en toi. Okay, ça veut dire que ce que tu es, est cela. Okay, mais comme nous ne voulons pas être l'égoïsme, on ne veut pas le montrer à personne, donc on se le cache. Et on montre aux autres ce que les gens veulent voir. La bonté, le bon côté. Okay, donc ce que tu es à ce moment-là, tu es... J'ai honte en t'écoutant, j'ai honte. Franck. Qu'en penses-tu? Franck est en train d'écrire, je crois qu'il écrit son prochain roman. Non, j'écoute, t'inquiète pas.
Tu veux pas intervenir? Vas-y, excuse-moi, je suis trop... Voilà. Et donc, on est tous en train de chercher quelqu'un qui va venir nous accueillir, nous chouchouter, nous aimer. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est que si tu es rien, et c'est ce que tu es, rien, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'exister en tant que quelqu'un. Ok? Ça veut dire que tu as laissé tout ton rôle ne plus interférer dans ce monde. Et quand quelqu'un n'interfère plus dans ce monde, c'est comme si tu arrêtais d'envoyer un galet dans la mare. Tu sais, parce que la mare, elle est tout le temps en remue-ménage. Le monde est chaotique. C'est parce que tout le monde veut faire quelque chose. Ouais. Et tu sais, ce sont les gens qui ont des bonnes intentions qui sont dangereux. Qui sont dangereux, ouais. Ben oui. On l'a bien vu dans l'histoire, en tout cas. Puisque quand tu regardes la Révolution française, la Révolution russe, on voit bien qu'il pouvait y avoir au départ des bonnes intentions. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Bah, surtout pour la Révolution russe. La Révolution française, ça finit aussi quand même par la terreur. Hein, je veux dire, il faut en parler. Et probablement que le même personnage à l'origine de la terreur était quelqu'un de profondément sincère dans son besoin de changer le monde du bon côté. Robespierre, Saint-Just, c'était des gens probablement qui avaient un côté lumineux. Quand tu vas à Madagascar, tu emmènes 2-3 t-shirts, tu es sincère. Tu dis, je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux les aider. Mais quand tu fais ça, tu ne fais qu'alimenter. Non, tu leur donnes, ils deviennent dépendants de toi. Dépendants. Ah. Donc, en fait, tu n'as pas arrangé les choses. Non. Tu as empiré parce qu'ils deviennent dépendants de toi. Non. Et eux aussi, ils veulent des t-shirts. Ah. Et maintenant, il faudra encore casser les bois et tout ça pour faire des t-shirts en plus. Parce que tout le monde en veut. Ah, ouais, tout le monde en veut. Donc, tu cesses de rien faire, laisser les gens vivre comme ils sont, ne pas croire que tu peux faire quelque chose de mieux ou de moins bien, juste accepter ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'on ne veut pas accepter, on veut toujours mieux. Et quand on veut mieux, ben, on se donne ce lendemain qui viendra, et ben, on lui donne trop d'importance. Ça n'existe pas demain. Donc tu vis tout le temps pour quelque chose qui va se produire. Qui va peut-être se produire. Voilà. Ouais, peut-être un monde qui va être. Moi je comprends bien ce que tu dis parce que j'ai toujours l'impression d'être projeté. Mais bon, je fais partie des pires. Ah oui, non, on est tous ça. Mais oui, alors écoute, c'est très intéressant. On peut revenir. Alors, j'ai choisi le Martin. D'accord. Et tu me disais. Parce qu'il y a un côté un peu. Dans ce morceau-là, donc c'est le titre qu'on va écouter. Alors c'est vrai que on reviendra sur tes bouquins parce que il y a quand même. Près de la rivière, il y avait un martin qui sifflait de tout. Je l'entendais, chante avec lui mon cœur. Tout se mélangea avec le silence au rayon soleil. Et je vis autour de moi un monde merveilleux que j'avais oublié, que j'ai laissé derrière pour m'occuper de tout ce que j'avais gagné. Mes beaux diplômes, c'est une maladie, la société, avec tous ces acharnés du fric, où la beauté de la vie est en danger, souffre de tout assaut, du pouvoir qui insulte le plus petit. Près de la rivière, il y avait un martin qui sifflait de quand je l'entendais, chante avec lui mon cœur. Quotidien qui tue habituellement le même train-train. La vie est encore plus belle quand on est libéré de toute cette angoisse qui me serre à la gorge et qui me fait courir pour être quelqu'un. Autres. Une calamité
consommation, souvent pour faire un peu de parade. Où jamais le cœur ne sera satisfait, demande encore plus grand, qui ne tient pas compte de celui qui meurt. Près de la rivière, il y avait un martin qui sifflait de toute joie, et quand je l'entendais, chante avec lui mon cœur. Tout se mélangea avec le silence, au rayon solaire. Alors pendant la chanson, on parlait de l'individu que tu présentais. Tu disais l'individu, on parlait d'éclatement, on parlait de source, mais tu as dit l'individu, c'est l'indivisible. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui. On ne peut plus le casser, cet individu, même si... voilà. Enfin, ce que tu es, c'est tout. Tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, tu es l'égoïsme, tu es la bonté, tu es le bien, le mal. Mm-hmm. Ok ? Mais tout ça, c'est... indivisible, puisque c'est, ça fait partie de l'individu. Mmh. À un moment donné, tu vois, tout, on a tout sorti, mais là, il n'y a plus rien qui peut être divisé, puisque c'est entier. Tu ne peux pas séparer le bien et le mal. Tu ne peux pas séparer le bon et le mauvais. Mmh. Si tu le sépares, tu ne seras plus l'individu, l'indivisible. Mmh. Tu seras ce que tu te donnes d'être. Parce que ta pensée t'explique comment tu dois être. Tu dois être gentil. Mais si tu es pas gentil, ouais. tu parles avec ton maître qui est gentil. Donc tu montres aux gens ce que les gens veulent voir. Tu vois ? Mais en fait, là, à ce moment-là, tu n'es plus entier. Tu n'es plus toi. Tu es ce que tu te donnes d'être. Mm-hmm. Ce que tu te donnes d'être. C'est la division de toi-même. Okay ? Ça veut dire que tu vas montrer au monde ce que tu aimerais que les gens voient. Mais ce que tu tout es, fait. C'est indivisible. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle l'individu. Indivisible. Tout à fait. C'est intéressant parce que je n'avais pas pensé à ça. Mais dans notre relation avec les autres individus, c'est-à-dire que est-ce qu'on a une relation déjà avec les autres en tant qu'indivisible ? Est-ce qu'on a une relation ? Comme je ça. Te pose la question, moi j'ai l'impression justement, que oui. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, nos vies de tous les jours, les gens ne se connaissent pas de cette manière-là. Ils se connaissent. Ils se croisent. Ils disent ça, c'est monsieur un tel, ça c'est monsieur le maire. Ah, regarde monsieur le jardinier du maire. Mm-hmm. Et tu dis, attends, monsieur le jardinier du maire, j'ai besoin de poser avec monsieur le maire là. Tu vois ? Donc, il y a quelque chose en toi qui n'est pas aligné, puisque tu compares. Tu juges, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, quand tu ne sépares plus entre le bien et le mal, alors tu es entier, tu es vrai, tu es terriblement sincère avec toi-même. Tu n'essayes pas de te cacher derrière la bonté ou derrière le mauvais. Tu vois, tu ne fais plus d'image. Okay ? Parce que derrière l'image, on se cache pour montrer aux autres seulement l'image que les gens veulent voir. Et là-dedans, les religions, quel est le rôle des religions qui ont eu un rôle très important dans l'histoire, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, à ton avis, quel est le rôle de, est-ce que les religions nous amènent à nous élever véritablement ou pas? La source, elle est libératrice. Mm-hmm. Okay? Sauf que cette source, elle a coulé depuis 2000 ans pour Jésus-Christ, pour le Bouddha, 5000 ans. Oui, pour les Juifs, 3000 ans. Et à force de couler, on s'est identifié à ce qui a coulé depuis 2000 ans. Donc on ne sait plus, on ne connaît plus la source. D'accord. On s'est éloigné de la source pour prendre ce qu'on a, on en a fait de cette religion. De ce message. Voilà. Donc on a élaboré le message à notre goût. Et on l'a fait ça comme une zone de confort. Donc on a organisé la vérité. Mais tu ne peux pas organiser la vérité. La vérité, elle est crue. Et soit tu es cela, ou soit tu montres au monde ce que tu aimerais que le monde voit. Ouais, parce que, en fait, tu vois, quand tu utilises la vérité, quand tu organises la vérité, eh ben, tu soudoies
les autres, okay, tu forces les autres à croire que ce que tu dis, c'est vrai. C'est assez marrant parce que moi, je suis croyant, mais on ne va pas parler de religion et de croyance, et puis je cherche pas à convertir qui que ce soit, mais je suis allé, je me rappelle, dans une église protestante, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité, qui s'appelle Extravagance. J'y suis allé deux fois, une fois, et puis tout petit peu, je suis parti très rapidement. Et la première fois où je vais, à un moment donné, monte sur scène le pasteur pour faire la position des mains. Le pasteur qui a eu des problèmes avec la justice en passant quelques temps après. Et donc, il fait venir sa femme qui fait la même chose et puis elle repart. Et quand elle repart, le pasteur dit une phrase qui m'a, moi, c'est la première fois que je venais dans cet endroit parce qu'un ami m'avait dit de venir. Et il dit, c'est dur d'être la femme d'un prophète. Je me suis retourné vers mon ami qui m'avait amené, je lui ai dit, mais il est fou. Et donc, c'était pas un pasteur, c'était un ego surdimensionné. C'est ça. Parce qu'on n'est rien. On n'est ni prophète, ni prêtre, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre. On n'est rien. Et est-ce que... Alors oui, c'est dur d'entendre qu'on n'est rien. Bien sûr, parce qu'on veut être quelqu'un par rapport à ce monde. Mais oui. Au niveau social, on doit exister. Exister, si tu n'existes pas, on te rejette. Tu n'existes pas. T'es un clochard. Voilà, on te considère comme rien. Rien. On t'invite même pas à l'anniversaire. Parce qu'il est gênant. Et tu oui. vois, parce qu'il est rien. Il est rien. Tu vois. Donc, la société a fait de nous des individus qui sommes devenus individualisés dans notre société. C'est un aspect social de notre société où on s'est considéré stéréotypé, tu vois, et on répète tous les mêmes choses. Mm-hmm. Tu vois. Alors que ce que tu es en train de dire qu'on est des zombies. Je dirais presque... Horrible. Oui, c'est pas facile d'entendre ça. Ou encore qu'on joue la comédie de la comédie de la comédie, c'est comme les poupées russes, quoi. Oui, et on ne sait plus où on est. C'est ça, on est toujours en train de... Non, je dis mal les choses. Mais on est en train d'essayer de paraître. Et ça, quand tu fais ça, c'est de la compulsion. Tu n'es pas vrai, tu n'es plus là. Il n'y a plus rien là. Il y a juste la mécanique qui essaye de se faire valoir. Tu vois, et c'est quoi cette mécanique? Ce sont toutes les idées que tu as, et tu les prônes sur les toits, et tu te fais valoir avec cette idée-là. Oui, c'est ce et chacun, on est 8 milliards à avoir des idées, et tout le monde veut se faire valoir. Ce que tu dis là, ça me fait penser à une soirée dernièrement où j'étais avec des amis, et j'ai un peu monopolisé la parole. Tu te rends compte après, à la fin de soirée, ma femme m'a dit « Bon, là, tu as un peu exagéré. » Alors, j'ai envoyé un petit message à mes copains, on leur a dit « Écoutez, désolé, c'est à cause du vin. » Mais moi, sur le moment, j'étais très sincère. Je voulais raconter des histoires qui me tiennent à cœur. Des histoires, c'est pas du tout pour me mettre en avant. Mais en réalité, ce que tu disais, c'est que je n'ai fait que répéter un certain nombre de choses que j'ai apprises. Je ne faisais que répéter. Et c'était automatique. Ce que je croyais sincère, ce que je croyais... 5000 ans, 2000 ans, on répète toujours la même chose. Ce que je croyais sincère. On les apprend. Oui. Et quand tu as appris, ça te donne un peu de bonnes sensations. Oui. Et ces bonnes sensations, tu les mémorises. Et tu dis, il faut que je dise ça. Oui, tu vois. Oui, il faut que je le dise. Exactement. C'est sincère. C'est vraiment quelque chose que j'ai... Mais en fait, ce sont des mémoires que tu as retirées du passé. Et que tu as fait une image, un concept, et c'est le concept que tu donnes. Mais ce qu'il y a de vivant n'est pas vécu. Et ce que tu es, c'est vivant. Donc si tu arrêtes de répéter, tu seras vivant. Ce que tu vas être là, ce sera quelque chose de présent. D'accord. À part que, si ton but est de réveiller les gens, puisque ce que faisait Bouddha ou Jésus et d'autres, c'est essayer d'apporter un petit peu de lumière, de dire, mais regardez dans la bonne direction. Et si toi, tu te sens un tout petit peu passeur de ça, alors, est-ce que tu es dans le faux ou dans le sincère dans quoi? Alors déjà, je me pose la question à ce que tu disais, est-ce qu'on doit apporter un peu de lumière pour voilà. Est-ce que c'est toujours, à mettre de l'eau au moulin dont tu parlais tout à l'heure? Bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour sauver le monde.
c'est pas toi qui dois sauver le monde. Quand il y a moi... Ben, je ne fais plus rien, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Justement, quand il y a moi, eh ben, il y a toujours une action égocentrique. Égocentrique. Okay? Quand il n'y a plus moi, alors c'est plus toi qui agis, c'est ton cœur, c'est la vie qui agit à travers toi. Et souviens-toi, je te parlais de ce véhicule que tu es. Laisse la vie le conduire et tu vas voir que tout va aller bien parce que la vie, elle sait. Quoi faire, c'est pas toi, très, tu ne sais pas. Une très belle parole, très belle parole. Alors, on va écouter un peu de musique. Il y avait une chanson qui parle des années qui passent, je crois. Et, Après toutes ces années. Et puis, le mot farandole, moi j'adore le mot farandole, parce que, évidemment, l'éternité que j'ai en tête, alors, est-ce que c'est le but, est-ce que c'est encore, si tu veux, une illusion mais en même temps, cette éternité, je la vois comme un banquet où nous allons, je pense aux noces de Cana, évidemment. Mais bon, voilà. Alors, en tout cas, dans cette chanson, tu parles de farandole. D'accord, allons-y, on va l'écouter. Alors c'était intéressant parce que quand on parle de création, de créativité, on parlait de la musique avec ce côté un peu classique. Et tu disais que tu as écouté beaucoup de musique classique et que finalement on a une vision de l'art, de la création qui est une sorte de vision un peu que Mozart ou d'autres sont un peu les passeurs, c'est-à-dire que ça leur tombe dessus comme ça. Alors qu'en fait, et donc moi c'est un peu la vision que j'ai, c'est-à-dire ce que disait Brel, il disait une chanson c'est une idée de texte, une idée de musique et une idée qu'on n'avait pas. Et c'est vrai que quelque part, mais tu dis autre chose, tu dis que la créativité, l'art, c'est de mettre en ordre ce qui est en désordre. C'est ça. Et ça c'est très intéressant comme image que j'avais pas. Oui. Mais parce que en fait, quand tu dans le monde, il y a plein de désordres. Okay. Et ça grince, tu vois, ça perturbe. Mais quand tu mets ça en désordre,
Et en or, et ben, tu es l'artiste qui vient montrer quelque chose d'unifié, de, oui, beau, oui, de merveilleux. D'accord. Ouais. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. C'est très intéressant. Très intéressant. Écoute, on va écouter un autre titre. Mais juste avant, peut-être on peut en parler, parce que, évidemment, c'est tout le cœur de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, le titre, c'est « Moi ». D'accord. Et donc, encore une fois, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire dans ce titre? On va revenir. Oui, oui. Mais c'est pas grave. Tu sais que on a tous investi notre vie à partir de ce qu'on a appris. Oui. Et ce que l'on a appris devient qui? Quand tu véhicules ton passé, ben tu véhicules quoi? Ton histoire. Et l'histoire, ça appartient à qui? À moi. Et moi, c'est qui? Eh bien, c'est tout ce qui se passe. Mais moi, ce n'est pas ce que tu es pour de vrai, ça. C'est un personnage que tu montres. Donc, dans ce monde, tout se ramène à moi. Oui. Donne-moi, je veux, j'ai besoin d'exister. Donne-moi. De m'occuper de moi, 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 moi. Mes petites affaires ont une grande importance, moi, moi, moi. Mais je sens un vide au fond de mon cœur. Je ne comprends plus, j'ai envie de mourir. Pris dans des habitudes, tout devient un peu gris. Je ne vois plus de sens. J'ai cette envie d'aimer, de n'être plus personne, juste moi-même. J'ai cette envie de faire face, de ne plus me leurrer avec moi-même. J'ai cette envie d'être libre, de déchirer l'image qui est la mienne. J'ai bien du mal à me défaire de moi, 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 moi. Habituellement, c'est ce qui se passe, moi, moi, moi. Il crée trop de peine autour de lui. Je comprends maintenant, il veut encore. Pris dans des habitudes, il a peur de manquer. Esclave de lui-même. J'ai cette envie d'aimer, de donner cette fleur, être moi-même. J'ai envie de faire face, d'être vraiment présent avec moi-même. J'ai envie d'être libre, de quitter mon confort, pas m'endormir. Vivre toute une vie.